Salut YouTube! Ici le Ratel de Warzone, j'espère que vous allez bien, tranquille, la forme, la famille, tout ça. Là je viens de faire une petite game grâce au nouveau mode C'est pas résurgence, c'est redéploiement qui vient de sortir en solo. Donc tant que tu as 4500 balles, tu reviens sur la map. Sauf que le problème, c'est que je suis incroyable dans ce mode de jeu. Première game, le mode de jeu vient de sortir il y a environ 6 secondes. Tu sais ce qui va se passer. Abonne-toi si t'es nouveau. Et abonne-toi. C'est le bruit que je fais avec ta tante. Putain, chat, je sais pas si je sais encore faire des kills. Je pense que je sais encore les faire, mais que je risque d'être aveuglé par ma violence. Je vais donc me protéger les yeux. Oh, zombie! Du coup là c'est fini les goulags. Tout à l'heure vous avez assisté au dernier goulag de la saison. C'est marrant. Nique ton chien! Alors cette personne me backstab depuis tout à l'heure. Une autre personne s'est mise à me backstabber. J'ai pas le choix. Parce qu'il y a tout le monde qui va arriver pour me backstab. Les stream hacks qu'on lançait en même temps. Le hasard du jeu. Déjà, je vois qu'il y a encore une autre voiture qui arrive là. Non, merde. J'allais me faire écraser par sa voiture en marche arrière si je faisais rien. Putain, j'aurais dû lui rouler dessus à ce fils de pute. Dommage. Et du coup, c'est pas fini. C'est ça recommence justement. C'est vraiment tout sauf fini. Oui. Oh. Oh, on met une grenade histoire de le faire se déplacer. Et pendant qu'il se déplace, je l'ai pas vu. Ah, il s'est... Il s'est allongé, il s'est pris la grenade plein fer, frérot. Il s'en est battu les couilles. Et il m'a surpris, lui. A votre avis, mon ennemi est tombé plutôt à droite ou à gauche?
Je viens de le toucher dans le body, chat. Je viens de le retoucher dans le body. Encore une fois. Mais ça se voit que c'est scripté ou que c'est cheaté ou qu'il y a un truc qui va pas. Genre ça se voit, c'est flagrant. Alors j'ai plus beaucoup de balles. Ce qui fait que je vais être obligé de lui courir après. Là-haut. Ok, je retourne en arrière. Faut que j'économise mes balles. Du coup, un couteau suffira large. On change d'arme vite fait. Hop là. Et je vais slay absolument tout le bord de map. En fait, ce qui devrait être logique, c'est quand tu tues quelqu'un, pour te motiver à faire des kills, tu devrais avoir une prime de 5000 balles. Ou 4000, tu vois. Mais tu devrais avoir une prime au kill. C'est, pour moi, c'est ce qui semblerait le plus logique à donner encore de l'intérêt à rusher et tout. Parce que faire une game, comme je vous ai montré la game d'avant, c'est le quotidien de, je dirais, un joueur sur deux. Pourquoi est-ce que tout le monde jouerait pas comme eux pour faire des victoires faciles? C'est ça, au final, le but, gagner. Ils devraient récompenser les joueurs qui rushent. J'ai assez pour être déployé. Oh, je vois un quad qui vient de s'arrêter. On va scoper vers là où il s'est arrêté. Hop, on vient de voir le quad. Où est-ce qu'il est le propriétaire? Balle de sniper qui vient de la droite. Il y a un mec qui le rush. Encore un autre mec à gauche. Je tente un bunny. Ok, bunny shot. Ah, mais c'était Lord Peter. Encore toi? C'est vraiment trop nul. Il y a encore un sniper sur ma droite. Je peux faire face à tout le monde. Il faut juste de la bonne musique. Alors vous êtes où les salopes, hein? Il y a encore notre sniper, un rafaleur. J'allais tous vous tuer, les gars. Oh, cul. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais écrire 14 en chiffres romains? Tu te sens fier? Je te pisse dans la gorge. Oh là là. TTV Doc Gaming 1992. C'est comme quoi, en 92, on n'a pas tous bien fini. Attends. Montre-toi. En train de camper comme un gros crado. Je crois qu'il est sur ce flanc de falaise. Faut savoir abandonner un fight, les gars. C'est une preuve de sagesse. Ok. Je sais pas vraiment jouer avec lui. On l'a surtout défoncé. Ok. Une balle enflammée vient de me frôler. Question à 100$, d'où vient-elle ? Encore une fois, je me prends une balle et je sais pas d'où ça vient. C'est pas grave.
On va se démerder pour obliger au mec de se montrer. On va prendre la hauteur. Et on va regarder devant nous ainsi qu'à droite. Ça va éliminer beaucoup de... Ok. C'est bon, je sais d'où il vient. Ça vient de la méga hauteur. Le gaz va le push. Le gaz va le push. Et il a le temps de me mettre une très jolie balle. Il fuit exactement à l'opposé de moi. Ce qui montre... Un peu que c'est un fils de pute, je crois, en quelque sorte. C'est pas ça qui va m'arrêter. Elle vient botter. T'es une ordure. T'es quel genre d'ordure? Ok, t'es le genre vraiment à jouer très 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 scred. Du coup, je vais l'attendre. Je vais le réceptionner. Il prend pas beaucoup. Moi, je suis la BMP. Moi. Puis. Il a dit putain, je suis vraiment un enfant de pute à jouer comme ça. Bien joué, mec. Je suis d'accord avec lui pour le coup, donc pas d'embrouille. On l'a joué à la cool. Je fous une frappe à droite, je check devant, je regarde mon argent. Le même joueur que j'ai tué juste avant qui a repop du coup et qui m'a attendu dans la maison bord de map parce qu'il savait que j'utiliserais mon argent. Bien joué. On atterrit donc directement à la zone 5. Zone 5, mais je suis dans les airs. Comme beaucoup de joueurs. Ce qui est important, c'est de repérer où sont les autres joueurs. D'essayer de les flanquer. Même si on est en parachute. Hop. On va bientôt se faire tirer dessus par les snipers. On peut pas rester comme ça. C'est bon, les snipers commencent. C'est le seul truc du coin qui est intéressant. On va donc tomber ici. Pire endroit. Puis on va aller là. Pas de raison de stresser ou quoi. Tant que je peux circuler, c'est bon. Je trouve ça bizarre qu'il y ait personne dessus. J'ai pas encore d'armes, mais je compte en trouver une bientôt. Quand tu vois ce que je leur ai foutu juste en mouvement, tu dis que les armes c'est un peu superflu, mais bon. Je suis pas bien placé. Pourquoi je suis pas bien placé? Deux raisons. Hors de map, pas de bâtiment, pas de possibilité de cachette. Je sais que quelqu'un est sur la hauteur. Hop là, on va jouer. C'est plutôt simple. Sauf que je viens de foutre mes armes à la flotte. Hop là. Alors, là il me tire dessus. C'est pas grave, on temporise, on remet une plaque. Et avec grand calme, on se dirige vers ici. On se head glitch, on a l'avantage maintenant. Et maintenant, ça va être à lui.
Je mets une paralysante pour que ça empêche le reshield. Et ça vient d'être un kill à la paralysante. Vous pouvez féliciter ce joueur qui est mort par une paralysante. Et finalement, on se retrouve avec une petite Kalachnikov Cold War, très sympathique. Hop, on va prendre ça. On va se le foutre là. Au cas où il y ait des emmerdes, des problèmes, quoi que ce soit. Ok. Je mets un petit drone. Ok, le drone me donne une information. Je prends une frappe à dispersion pour gêner ce bâtiment. C'est pas pour le tuer ou quoi, c'est pour le gêner. D'accord. Là, je prends ma ligne. En ce qui concerne ce joueur-là. Qui vient de tomber. Par je sais pas qui, donc je vais voir. Je suis un peu curieux comme garçon. Et le joueur qui a tué Tic Tac ne se montre pas. Donc, on va pouvoir se permettre de foutre une autre frappe. Hop là. Je la fous intermédiaire entre les deux. J'en reprends une. En fait, j'essaie d'anticiper les mouvements et de gêner un maximum. Si les mecs... Genre quand... excusez-moi. Quand ils sortent des bâtiments, ils sont gênés. Ils sortent, ils ratent pas à droite, à gauche, ils sont pressés et ils meurent beaucoup plus rapidement. C'est stratégiquement, c'est vraiment chouette de faire ça. Hop. Là, je... Ok, donc on a un sniper qui m'a repéré Nord 203. Je vais pas pouvoir lui faire à l'envers à lui. Donc on l'ajoute très simplement. C'est, je sais, je peux me faire décaler par la droite, théoriquement. Je cherche l'information. J'ai juste reçu un crack shield, rien d'autre. Donc on va tempo. Il reste 3 personnes. Je pense que je peux mettre la musique de fin. Ok, j'en ai repéré un. Un est à gauche, il va devoir avancer. Je mets une frappe pour le gêner. Pas de chance. Il me touche deux fois, mais la deuxième fois c'est un body shot. En vrai, j'appelle ça pas de chance parce qu'il a géré. Et là je me retrouve en 1 contre 1 les gars. Donc le joueur est caché là. Tu mets une paralysante, tu vises. Tu tires le chargeur, t'as gagné. Facile. Comment faire une petite 20 kills dans le nouveau mode résurgence qui vient de sortir? C'est ici. What's up? What's up?